aux terres hospitalières, où le malheur trouva protection d'un peuple libre arborant la bannière. Je viens péter la Constitution, proscrite hélas un moment de la France. J'ai pu passer chez vous des jours bien doux, mais vous voyez à reluire l'espérance, et maintenant je suis fier de vous. Alors, je vous ai mis le texte. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités et avoir reconnu que le vœu libre et universel du peuple souverain de la Savoie, émis dans les assemblées de communes, est de s'incorporer à la République française, proclamée alors le 21 septembre de la même année, considérons que la nature, les rapports et les intérêts respectifs rendent cette réunion avantageuse aux deux peuples, déclare qu'elle accepte la réunion proposée et que dès ce moment, la Savoie fait partie intégrante de la République française. Voilà, là je voulais faire un peu détaillé pour la Savoie, mais il faut savoir qu'il y a la même opération qui va se dérouler plus au sud, c'est-à-dire le comté de Nice, qui va devenir le département des Alpes-Maritimes. Mais en 1792, comme en 1860, c'est beaucoup plus compliqué pour Nice que pour la Savoie. Dans les deux cas, la Savoie, elle regarde plus vers la France. Dans les deux cas, Nice regarde plus côté italien. Nice a plus une culture italienne que nous, nous avons une culture française. Donc c'est pour ça que fin novembre 1792, la Savoie devient française. Il faudra attendre le mois de février 1793. Pour que soit créé le département des Alpes-Maritimes. Et ça a pris quand même 3 mois de plus. Alors, une chose que je n'ai pas dit, mais c'est quand même là, ça va passer assez rapidement, c'est que ces gens qu'on avait envoyés à l'Assemblée nationale des Alpes-Maritimes, on leur avait dit « méfie-toi de quelque chose ». En France, la Révolution est en place depuis 3 ans. 89, 90, 91. Plutôt 90, 91, 92. Donc, ça veut dire qu'en France, il y a déjà plein de lois qui ont été votées. Mais quand ces lois ont été votées, on n'était pas français. Donc, il y a cette idée, faisons attention que ce qui a été voté quand on n'était pas français ne s'applique pas. Et il pense en particulier à tout ce qui porte sur la religion. Et la France avait déjà pris des mesures contre la religion. Les Savoyards veulent bien devenir français, mais ils voudraient pouvoir continuer à fonctionner, bon, même si on a piqué les biens du clergé, mais le curé, on l'aime bien, donc. Voilà, il n'a plus son jardin, mais on va lui donner un salaire et il rachetait ses légumes comme tout le monde. Mais vous voyez, ça pose une question, enfin cette question on la connaît bien, c'est ce qu'on appelle les droits acquis. Et c'est un petit peu ce qu'on a laissé entendre aux gens durant l'Assemblée nationale des Alpes-Maritimes. On leur a dit, mais non, les droits que vous avez acquis, on ne va pas vous les enlever. Ça pose une question, c'est est-ce qu'on peut vivre dans le même pays et pas tous avoir les mêmes droits? Alors c'est ça la grande question. La question des droits acquis, elle va se reposer en 1860. Voilà. Bon, derrière, je vous ai mis une carte
département du Mont-Blanc. Bon, il a le numéro 84. Le numéro, on s'en fiche, il n'y a pas de plaque minéralogique. C'est un grand département, hein, mais c'est exactement où vous mettez le département 73-74, vous aurez ça. Hein. Donc voilà, un peu sur les bordures, il peut y avoir quelques changements. Mais voyez bien, parce qu'il y a des petites touches de couleur. Donc si on regarde au sud, hein, vous avez la Maurienne, on voit la Charentaise qui inclut le Beaufortin, on a la Savoie propre donc autour de Chambéry, on a au-dessus on a le Genevois autour d'Annecy, on a le Chablais en haut et puis le Faucigny. Voilà, c'est les provinces traditionnelles. Donc, on est français, et on verra, hein, parce que ça ne s'arrête pas là, mais on pouvait penser que l'histoire de la Savoie est terminée le 27 novembre 1792. Parce que là, c'est quand même, c'est plus une occupation, hein, c'est des gens qui disent « on veut être français ». Et les Français disent « on veut bien des Savoyards ». D'un côté, on dit c'est une nation souveraine, la République française. De l'autre, on dit c'est une nation souveraine hein, qui s'est autoproclamée, c'est la nation des Allobroges. Donc, puisqu'on a deux souverains, il n'y a pas de raison que ça se fasse. Alors, là où ça va commencer un petit peu à traîner les pieds, c'est en 1793, parce que très vite, c'est la question religieuse qui va se poser. Le 8 février, donc ça va très vite, le 8 février, on décide d'abolir les anciens diocèses. Alors, c'était compliqué, hein, parce que il y avait l'archidiocèse de Tarentaise, il y avait le diocèse de Maurienne, il y avait le diocèse de Genève avec l'évêque vivant à Annecy, et il y avait le Genon, diocèse de Chambéry. Diocèse de Chambéry, il est né en 1779, donc à ce moment-là, il a 13 ans. Mais voilà, il y a quatre diocèses. Et l'idée de la Révolution, que Napoléon gardera cette idée, c'est qu'il faut que la garde des diocèses corresponde à la garde des départements. Donc, qu'est-ce qu'on décrète ? On décrète que, puisqu'il y a un département du Mont-Blanc, il faut créer un diocèse du Mont-Blanc. Et donc, il faut qu'il y ait un évêque du Mont-Blanc. Là, ça commence déjà un petit peu à... Vous voyez, hein, parce que Chambéry, ils ont à peine le temps de s'habituer, ils ont très grand âge, mais nous, ça fait quand même... 1420, qui a un évêque ici, en plus c'est un archevêque. Bon, donc voilà, premier motif un petit peu. Ah bon, vous nous aviez dit que les droits acquis, oui, mais l'administration, les droits acquis, elle ne connaît pas bien. Après, deuxième chose, l'évêque du Mont-Blanc, qui est-ce qui va le nommer ? C'est pas le pape, puisque le pape, il est contre ce qui se passe en France. Ah mais on dit, mais c'est exactement comme le maire du village, il va y avoir un vote, et on va élire l'évêque du Mont-Blanc. Donc ça veut dire que l'évêque du Mont-Blanc, il aura peut-être le suffrage populaire, mais en tout cas, il n'aura pas l'assentiment du pape. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'église constitutionnelle. Et l'église constitutionnelle, c'est une église catholique, mais qui n'est pas romaine. Pas reconnu par le pape. Alors, qu'est-ce qu'on élit ? On élit le curé de Saint-Pierre d'Abbigny, qui s'appelle Panisset, parce que, voilà, il a franchi le pas, il s'est présenté, donc on l'élit, on lui dit, tu deviens le premier évêque du Mont-Blanc. Où est-ce qu'on va l'installer ? Là, il se dit, il faut qu'on équilibre un peu les choses, comme le chef du département de Chambéry, l'évêque, on va le mettre à Annecy. Donc, l'évêché du Mont-Blanc a son siège à Annecy.
Donc là, c'est d'abord, enfin, aux yeux de certains, ce sont les premiers accros. Hein, ça veut dire que là, la Savoie ne bénéficie pas d'un statut particulier, mais en Savoie, c'est comme en France. Et alors, il y a certains lieux, on n'est pas en Vendée, hein, c'est pas les Chouans, mais voilà. Il y a quand même des émeutes qui vont voir le jour début mai, enfin fin avril, début mai. Vous voyez, ça fait 6 mois qu'on est français. C'est surtout le Haut-Faucigny, la vallée de Thône, hein, dans laquelle il va y avoir vraiment des heures, hein, avec les troupes françaises. Et puis comme certains voient que ça bouge, certains, c'est les armées sardes qui sont de l'autre côté, qui se disent, mais c'est peut-être le moment d'essayer de repasser l'école. Et donc, vous savez peut-être qu'il y a eu des combats au Saint-Bernard, qu'il y a eu des combats au Petit Saint-Bernard, qu'il y a eu des combats au Mont-Cenis. Donc, ce n'est pas des combats parce que les Français vont les passer de l'autre côté, en 1793, mais c'est des combats parce que ceux de l'autre côté voulaient profiter des troubles pour rentrer en Savoie et remettre la main sur la Savoie. Bon. Les troupes sardes ont été repoussées, donc ça veut dire que la ligne frontière reste, hein, qui est la ligne frontière naturelle, et à l'automne, on va avoir une intensification encore de ces mesures anti-religieuses. Je vous ai mis 3 dates, il y a d'autres choses qu'on pourrait dire, mais le 18 septembre, donc ça reste un peu vague, on dit qu'il faut supprimer les signes extérieurs de religion et de culte. C'est très vague, hein. Est-ce qu'on va piquer la croix de la mémée parce que c'est une croix? Est-ce qu'on va se contenter d'abattre la croix au bout du village, etc. Après, ça va se préciser. Hein. Le 8 novembre, on dit on va confisquer les cloches. Et le 25 novembre, on dit il faut détruire toutes les croix publiques. Alors, une croix publique, ça veut dire une croix qui est sur le domaine public. Alors, si vous avez une croix au-dessus de votre lit dans la chambre, on ne va pas vous embêter pour ça, pour l'instant. Alors, la question qui est très sensible, moi je sais que j'ai travaillé là-dessus il y a fort longtemps, parce que la preuve que c'est sensible, c'est qu'on trouve quand même beaucoup de documents sur la question, c'est la question des cloches. Ça peut sembler accessoire, mais je crois que les gens l'ont senti d'une manière relativement douloureuse. Question des cloches, c'est quoi? On a dit, chaque commune va avoir le droit de garder une cloche. Pourquoi une cloche? Parce qu'il y a une cloche, ça s'appelle le tocsin. Ça permet de sonner le tocsin. Si vous n'avez plus une cloche, un jour où il y a un incendie, vous ne pouvez plus rien faire. Donc chaque commune garde une cloche. Toutes les autres cloches doivent être descendues et les autres cloches qui sont descendues, elles vont, pour la parenthèse, elles vont partir dans la plaine de Conflans, là où il y avait la fonderie. On va faire fondre les cloches. Pourquoi? Parce que ce qui pose question à cette jeune Première République, c'est qu'elle est obligée de se battre. Et si vous voulez vous battre, bah, il faut du métal pour faire des canons. Donc, si toutes les cloches de France, moins une par commune, sont fondues, vous retrouvez de ce coup avec une quantité de métal très importante. Et puis en même temps, si vous descendez la cloche, vous récupérez les cordes. Ben, c'est fin de calcul. Toutes les cordes de toutes les églises de France, ça fait combien de kilomètres de cordes? Donc, voilà ce qui est proposé. Alors là, les gens, attention, hein. Moi je sais que par exemple à Bonneval,
La nuit, il y a des jeunes, ils sont rentrés dans l'église, ils ont sorti les cloches, ils les ont enterrés, parce qu'elles avaient déjà été descendues, ils ont enterré dans une écurie. Et puis le lendemain, les gens de la convention viennent pour chercher les cloches, ils leur répondent, elles ont dû partir à la volée. Donc voilà, tout le monde n'a pas livré de mon cœur les cloches. Pourquoi c'est moi ça? Parce que les cloches, c'était pas que c'était des marqueurs communautaires, et puis c'était des marqueurs individuels. On avait sonné les cloches une première fois au moment du baptême, on avait sonné les cloches au moment du mariage, et puis on sait qu'on sonnera les cloches au moment de la sépulture. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, ils ne touchent pas à ma cloche, ça veut dire ne touche pas à ce qui fait mon existence. Et là, bon, il y a une distance qui s'est créée avec les révolutionnaires. Donc ça veut dire que les gens se sont rendus compte que petit à petit, ils étaient en train de perdre les repères habituels. Ils étaient en train de perdre tous ces repères et ça, ils le vivaient assez mal. Bon, en plus, ça, au départ, c'est pas la faute de la Révolution, mais il faut savoir que les années 93, 94, 95 ont été des années économiquement très dures. Alors, là où c'est pas la faute de la Révolution, c'est parce que ça a été climatiquement de mauvaises années. Donc c'est pas les révolutionnaires qui ont fait que ça a gelé plus que d'habitude, donc il y a eu moins de blé. Mais par contre, là où les révolutionnaires, ils ont quand même un rôle, c'est que dans une situation économique qui n'est pas bonne, et dans une région où on fait cantonner l'armée des Alpes, l'armée, il faut la nourrir. Donc les gens avaient moins que ce qu'ils avaient d'habitude, mais en plus, ils avaient des prélèvements plus importants parce qu'il fallait que chacun donne pour que l'armée ait du pain. Fallait donner l'avoine parce que l'armée, c'est des chevaux et il fallait nourrir les chevaux de l'armée. Donc, vous voyez comment on a une situation économique qui est compliquée et qui est encore plus compliqué à cause de cette présence militaire sur le terrain. Et, cerise sur le gâteau, mais qui n'est rien d'une cerise, ce qui devient encore compliqué, c'est qu'on met à mal l'Église, et l'Église, dans les cas de difficulté, c'était elle qui faisait en sorte qu'on adoucisse un peu les conditions. Ça veut dire que toutes les œuvres charitables, elles ont été supprimées par la Révolution. Mais sachant que cette Révolution n'avait pas les moyens pour l'instant de mettre en place des éléments de substitution. Donc, c'est compliqué. Vous pouvez être favorable à la Révolution, mais s'il n'y a rien dans l'assiette, la Révolution, vous dites, qu'est-ce qu'elle nous apporte vraiment? Et là, ils n'avaient pas connu le pire, parce qu'on est en 93, mais le pire, c'est exactement comme en France. Vous savez qu'il va y avoir une période qui s'appelle la terreur. La seule différence, c'est qu'en France, la révolution commence en 89, la terreur, elle va être au plus fort début 94. Donc ça veut dire qu'il y a 5 ans. Nous, on devient français fin 92, et on rentre dans la terreur un an et demi après être devenu français. Donc dans l'esprit des gens, être français, ça souriait de moins en moins. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la terreur? Là aussi, c'est l'histoire de France. La terreur, c'est que comme il y a des révoltes, comme il y a des insurrections, comme il y a les armées étrangères qui font pression sur les frontières,
on dit qu'il faut un gouvernement qui soit un gouvernement hyper centralisé et hyper répressif. Ça, il ne faut peut-être pas l'oublier, mais comme dans un pays, les choses partent un petit peu dans tous les sens, il y a toujours des gens pour dire, maintenant, vous serrez les boulons, et donc, faut un ministre de l'Intérieur qui soit un bon. Donc, c'est quoi? C'est le fait qu'on met en place un gouvernement, et qu'on dit que c'est un gouvernement qui va décréter l'état d'exception. L'état d'exception. Qu'est-ce que vous faisiez hier? Vous promenez sur le boulevard Voltaire, vous avez été repéré par un drone, vous avez fini la soirée en garde à vue. État d'exception. Sauf que là, l'exception, ça allait un peu plus loin, parce que on a quand même eu un certain nombre de garde-fous. L'état d'exception, alors, c'est un petit peu, vous voyez, combien de personnes ont manifesté, combien de personnes ont été condamnées à mort, chiffre officiel, 17 000 en France, hein, 17 000 guillotinés. Les historiens disent qu'on doit être plus près de 40 000. 40 000 personnes guillotinées. Alors pourquoi 17 000 et 40 000? Parce que 17 000, c'est ceux qui ont eu un procès. Mais comme il y en a beaucoup qui ont été guillotinés sans procès, c'est là une base de. On double, hein, plus que du double. Et celui qui est le chef d'orchestre, il s'appelle Maximilien de Robespierre. Et pourquoi on dit que ça s'arrête le 28 juillet 1794? Parce que Robespierre, on l'arrête le 28 juillet 1794. Alors, ça, après vous allez me dire, oui, mais Robespierre, il est à Paris. Mais sauf que comme on est dans un système hyper administratif, on a des ramifications. Et les petits Robespierre, il y en a eu partout. Parce qu'en plus, généralement, ce n'est pas trop difficile à trouver. Et donc, on a un personnage qui s'appelle Antoine Louis Albit, qui vient de Dieppe, qui est député de la scène inférieure à l'Assemblée législative, à la Convention nationale. Et en janvier 1794, on le nomme représentant en mission. Alors, c'est quoi un représentant en mission? C'est une sorte de super préfet qui vient sur un territoire avec tous les droits. Alors, lui, en plus, il a un beau territoire parce qu'il est représentant en mission pour les départements de l'Ain et du Mont-Blanc. Il arrive à Chambéry, février 94. Alors, les surnoms qu'on lui donne, on lui a plutôt donné après, parce que sur le moment, c'est pas bien bon de donner des surnoms à ces gens-là. Bon, on dira qu'il a été le Robespierre Savoyard, dans l'Ain, on l'appelle le tigre de l'Ain. Laisse entendre que ça n'a pas été un temps. Alors, qu'est-ce qu'on retient de David? C'est le fait qu'il a été souvent plus loin que ce qu'on lui demandait. Et là, on revient à la question des cloches. On revient à la question des cloches, parce que lui, il va passer des cloches au clocher. Convention n'est pas forcément demander des choses par rapport au clocher. Ça, c'est quand même en partie une décision qu'il va prendre. Alors, cette décision, c'est quoi? Au nom de l'égalité, il va dire les bâtiments qui sont les témoins de l'Ancien Régime, c'est les bâtiments qui dépassent. Parce que l'Ancien Régime, c'était quoi? C'était des donjons, des tours, et des clochers. Alors, bon, les donjons, les tours, il y en a
énormément chez nous. Donc ça, on a peu fait gaffe. De toute manière, les meubles, on leur a déjà tout pris. Ils ont été obligés de partir en exil. Donc il va s'intéresser au clocher. Et il va prendre une décision. Il va demander qu'on rase tous les clochers de l'Ain, du Mont-Blanc, à la hauteur du toit de l'église. Et il avait une expression, il disait « sont des édifices arrogants ». Donc là, on n'est plus à descendre les cloches, hein, on est à descendre les clochers. Alors, ça s'est fait de manière, bon, là aussi, hein, si vous montez en tour, vous regardez le sommet du clocher, il y a une bande lombarde. Donc ça veut dire que le clocher de Tours, il n'a jamais été rasé. Parce que sinon, vous n'auriez pas la bande lombarde qui est du 12e siècle. Moutier, c'est différent. Parce que Moutier, il y a quand même le pouvoir de l'arrondissement, hein, qui est là. Donc c'est difficile d'y échapper. Donc Moutier, en plus, pas de chance, il y a quatre clochers autour de la cathédrale. Vous rasez quatre clochers, vous faites ça par une entreprise qui n'en a rien à faire, donc ça veut dire que, en gros, les gravats tombent sur le toit de l'église, et forcément, les gravats, ça appuie sur la charpente. S'il y a un surpoids sur une charpente, la charpente, elle repose sur les piliers qui tiennent les voûtes. Donc, au mois de novembre 1794, les voûtes des nefs de la cathédrale s'effondrent. On est parti des clochers, le toit, la charpente, les voûtes. Donc, la cathédrale de Moutier, en novembre 1794, on ne peut plus y entrer. Il y a un mur occidental, hein, puisqu'il est gothique. Il y a toute la partie orientale, puisque c'est du roman et du classique. Mais entre les deux, bah, il reste sans doute des tons de murs sur les côtés, mais c'est des gravats. Hein. Quand les travaux seront faits, ce qui a été très long, ça a été de sortir les gravats. Donc, voilà, la cathédrale de Moutier, on n'en parle plus. Après, il y a un texte qui est savoureux, c'est celui qui avait été envoyé à Tignes pour détruire le clocher de Tignes. Faire détruire le clocher de Tignes. Comme il veut quand même prendre une précaution, il fait une lettre qu'il envoie à Chambéry en disant « Je suis arrivé à Tignes en fin d'après-midi, j'ai pensé qu'il était mieux que je redescende dormir à Mont-Saint-Maurice. » Le gars, il a compris que s'il restait à Tignes la nuit, il ne redescendrait pas à Mont-Saint-Maurice. Et c'est pour ça, d'ailleurs, bon, le clocher de Tignes aujourd'hui, le barrage, mais le clocher de Tignes, c'est un clocher roman qui est dans le barrage. Donc, vous voyez, ça a été jugé, ça a été exécuté de manière différente, mais en tout cas, la décision, c'était ça. Et puis après, il va y avoir aussi autre chose, et c'est là où c'est devenu très difficile, c'est que dans un premier temps, on avait demandé aux prêtres de prêter un serment à la République. En gros, c'est un serment qui disait « Je prête fidélité à la République, à la liberté, etc. » Sinon, je n'ai pas de pain, la plupart des prêtres se sont soumis à ce serment. C'est à l'époque d'Albi qu'on va avoir un deuxième serment, mais très différent. Deuxième serment, c'est quoi? On dit au prêtre de prêter le serment « Je renonce à ma prêtrise ». Ça veut dire que je renonce à être prêtre. Je renonce à « Je sors du système religieux ». Et là, en gros, c'était soit tu prêtes le serment, soit on t'arrête et on t'emmène sur les galères. Des galères, quand même, et comme les galères n'en avaient pas assez, il y a des milliers de prêtres qui sont morts du côté de la Rochelle, sur des pontons où on les emprisonnait.
On pourrait faire une comparaison. Au moment du STO, on a dit aux gars, soit tu pars en Allemagne, soit on t'arrête. Il y a toujours une troisième solution. La troisième solution, c'est prendre le maquis. Donc ça veut dire que, à ce moment-là, 1794, il y a beaucoup de prêtres, en parenthèse, mais aussi en Maurienne, peut-être sur Guéry, qui sont partis en Piémont, en mettant dans le Saint-Émur. Et à partir du Piémont, il y a une organisation clandestine qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'il y a certains prêtres qui sont revenus, ils ne se baladaient pas habillés en prêtre, mais ils se faisaient passer pour des paysans, et la nuit, dans une grange, ils baptisaient, ils ont célébré les mariages, ils célébraient la messe. Et ça, ça veut dire qu'il y a eu, on appelait ça les prêtres missionnaires. Donc, mais au péril de leur vie, s'ils se faisaient arrêter, ils connaissaient la suite de l'histoire. Donc ça, c'est ce qui a été très mal vécu par les Savoyards. Les Savoyards disaient la Révolution, oui, mais ils avaient dit dès le départ, à la condition qu'on ne touche pas à la religion. Que le curé, encore une fois, n'est plus des biens matériels, d'accord, mais on l'aidera à vivre, mais par contre, voilà, on ne touche pas à la religion. Alors, après, bon, il y a encore quelques années, le portrait d'Albide se serait arrêté là. Aujourd'hui, bon, c'est pas qu'on est devenu révisionniste, hein, mais il faut quand même reconnaître, on regarde les choses. Albide, ce n'était pas le monstre absolu. Alors, il faut reconnaître qu'il a pris des mesures économiques qui étaient intéressantes. Alors, simplement, il n'a peut-être pas eu le temps de les mettre tout en place, hein, parce que ça va s'arrêter brutalement, et d'autant plus qu'on le déplace avant le mois de juillet. Mais voilà, il s'est rendu compte que la révolution, de toute manière, ça ne passerait pas si on ne cherchait pas un petit peu à rétablir une vie économique quotidienne. Et puis, il a même fait des projets. Il avait fait le projet d'un plan d'urbanisme pour Chambéry. Bon, la fin de l'histoire d'Albide, bah, il a eu encore quelques fonctions politiques, mais il est surtout devenu un militaire, et on va le retrouver dans les armées révolutionnaires, dans les armées de l'Empire, et il a eu une fin, pas le seul, mais il est mort durant la campagne de Russie, donc ça veut dire 20 ans plus tard, et victime de la fatigue, du froid et de la faim. Dernière chose, la période révolutionnaire, c'est aussi une période, ça se passe dans toutes les périodes révolutionnaires. Imaginez que vous habitez une commune qui s'appelle Saint-Martin-de-Belleville. Il y a un truc qui coince, on ne veut plus la religion, donc ça ne peut pas s'appeler Saint-Martin. Vous habitez une commune qui s'appelle Moutier. Moutier, même si les révolutionnaires n'ont pas forcément fait des hautes études, on se doute que ça vient de monastère. Donc ça ne passe pas. Donc qu'est-ce qui va être fait? Eh bien, il va être décidé de changer les noms des communes. Certaines, on comprend, hein, on a gommé tous les saints quelque chose, on a gommé toutes les références explicites à la religion, et puis pendant qu'on y est pour changer, bah, par exemple, Aigle Blanche devient Blanche-Sous. Voilà, mais ça veut dire... Quelle évolution ? Oui, oui, quelle évolution, mais ça veut dire on est là. Hein. Donc, quand vous arrivez à changer l'identité des gens, ça veut dire que
forcément une emprise sur eux. Il passait devant table rase et puis... Je vous ai mis un lien. Bon, il est... Il a quelques broutilles, mais c'est pas mal parce que ça a été fait par... c'est un tableau. Vous entrez sur ce tableau. Il y a tous les départements de France. Vous cliquez sur celui que vous voulez, donc Savoie par exemple, et ça vous donne la liste complète des correspondances entre le nom de la commune révolutionnaire et le nom de la commune actuelle. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de changements, hein, parce que quand vous changez de calendrier, on dit aux gens, on n'est plus en 1794, on est en l'an 2 de la République. Vous changez de calendrier, vous supprimez les fêtes religieuses. Vous, en plus, vous savez, le calendrier républicain, il y a un truc qu'on aurait du mal à vivre dans le calendrier républicain, parce qu'on vit sur une base qui est une base de 7 semaines. Le calendrier républicain, c'est une base 10. Il n'y a pas le dimanche, il y a le décalier. Et le décalier, il tombe tous les 10 jours. Vous savez que si on vous dit d'avoir un jour chômé tous les 10 jours, c'est un peu compliqué. Bon, pendant ce temps-là, il y a deux dates qu'il faut connaître, c'est important. 15 mai 1796. Qu'est-ce qui se passe le 15 mai 1796, il va y avoir un traité qui est signé à Paris, qui s'appelle donc le traité de Paris. Alors, ce traité de Paris, c'est quoi? C'est Victor Amédée III, alors, il existe toujours, hein, Victor Amédée III, roi de Sardaigne, voilà, il a perdu la Savoie et Nice, et donc Victor Amédée III va signer un traité comme quoi il reconnaît que les territoires de l'ancien duché de Savoie, on va dire comme ça, et du comté de Nice, sont devenus français. Donc, ça veut dire que cette fois, la messe est dite. Les Savoyards ont demandé à être rattachés, réunis à la France. Les Français ont accepté. Et maintenant, il y a un traité diplomatique entre l'ancien roi, lui on ne l'avait pas demandé son ami, mais là on lui demande, et il est d'accord pour signer le traité avec la République française. Donc ça veut dire que le 15 mai 1796, la Savoie et Nice sont français. Pourquoi il n'y a plus aucune discussion, et il n'y a aucune raison de revenir en arrière. Et puis, la République française, elle va mettre la main sur la République de Genève. Alors, la République de Genève, quand même, on prend conscience, hein. Vous voyez, la carte de la Suisse. Ce qui est rouge, c'est la République de Genève. Donc, c'est une République de poche. Mais Genève, c'est un centre économique. Ce n'est pas la taille du territoire, ça fait quoi? Ça fait peut-être même pas un centième de la Suisse, mais c'est un centre économique important. Et donc la France met la main sur Genève. Donc Genève devient française. Là, la France, elle existe en département. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'on fait de Genève? Alors, il y a deux solutions. Soit vous dites, on met Genève dans le département du Mont-Blanc. Au niveau territorial, ça ne change rien. Je veux dire, vous rajoutez ça au département, au grand département, ça ne bouge pas beaucoup. Par contre, vous intégrez une ville qui, économiquement, n'a rien de comparable, ni avec Chambéry, ni avec Annecy, à cette époque. Donc les Français se sont dit, il faut que Genève devienne un chef-lieu de département. Mais on ne peut quand même pas faire le coup aux Savoyards de leur dire, c'est Genève qui devient le chef-lieu de votre département.
l'encombrement du Mont Blanc, on va le couper en deux. Alors, vous voyez, ça vient cette histoire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chambéry va être le chef-lieu, va rester le chef-lieu du département du Sud, et on lui garde le nom de département du Mont Blanc, et Genève devient le chef-lieu d'un nouveau département qu'on appelle le département du Léman. Alors, le département du Léman, comment on le constitue? C'est la République de Genève, c'est un petit bout du département de l'Ain, et c'est un gros bout du département du Mont-Blanc. C'est le département, je ne sais plus combien à cette époque, vous voyez, mais voilà, on constitue un nouveau département. Donc, il faut bien penser à ça, Genève a été française de 1798 jusqu'en 1815. Alors, ce qui est très drôle, c'est que, pas tout de suite, mais en 1800, la région de Saint-Gervais, le canton de Saint-Gervais, il va être intégré dans le département du Léman. Alors, vous voyez le problème? Si Saint-Gervais est dans le département du Léman, ça veut dire que le Mont-Blanc, il n'est plus dans le département du Mont-Blanc. Et comme on n'avait pas changé le nom, il y a eu ce paradoxe. Par contre, regardez la carte. La carte où vous avez en jaune le département du Léman, en gris, le département du Mont-Blanc. Vous remarquez une chose, c'est que Annecy n'est pas dans le département du Léman. Annecy dépend de Chambéry. Alors, en parenthèse, je referme vite, parce que là, c'est un sujet miné. En 1860, on va hériter de ce schéma. En 1860, on va dire, il y a deux départements, comme en 1798. Sauf que Genève, en 1860, ne fait plus partie de la France. En 1815, il n'y a plus Genève. Donc, pour le département du Nord, qu'est-ce qu'on va choisir comme capitale en 1860? Annecy. Et les problèmes actuels, c'est un peu ça, parce que là, ça posait problème à personne. Genève, c'est la grande ville, donc il n'y a pas de discussion. En 1860, d'une manière un peu artificielle, on va mettre en concurrence Chambéry et Annecy. Alors que jusque-là, Annecy fonctionnait comme un arrondissement du département de Chambéry. Donc là, il y a des choses à creuser. Bon, donc la Révolution, si on fait un bilan, je crois qu'il faut bien distinguer le fait que les révolutionnaires français ont plutôt été bien accueillis, le fait qu'il y a eu une réelle demande de la Savoie à devenir française, mais que les choses ont basculé assez rapidement sur la question religieuse, sur le fait que il y a eu cette crise économique et sur le fait que la Savoie est rentrée rapidement dans la terreur. L'histoire ne s'arrête pas là. Vous savez que la Révolution, elle va se poursuivre avec le consulat et avec l'Empire. Il y a deux mots rapidement à ce niveau-là. L'Empire, c'est mitigé, mais l'Empire a plutôt été à nouveau apprécié par les Savoyens. Parce que vous savez que Napoléon négocie avec le pape et il va y avoir le concordat. Le concordat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rétablir la religion. Et ça, les Savoyards, c'était un peu leur demande. Alors, ce qui est rétabli, ce n'est pas un retour au cadre religieux qui existait avant. On reste avec l'idée un seul évêque, mais on le met à Chambéry. Mais voilà, par rapport à la période de la terreur,
au retour de la religion. Après, disons que Napoléon, un peu comme partout, il a mis en place une politique de grands travaux. Et étant donné qu'il était allé faire un tour en Italie, ça veut dire qu'à nouveau, il faut que ça circule bien entre les deux côtés des Alpes. Et c'est Napoléon qui va lancer le programme qui va faire que la route du Mont-Cenis va devenir une route carrossable. La route du Grand Mont-Cenis, cette route qu'on a tous pris, où il y avait je ne sais pas combien de tournants, hein, ben, les tournants, c'est Napoléon qui les a mis en place. Hein. Voilà, ça remonte à cette période. Dans les projets novateurs, on ne peut quand même pas ignorer un métier qu'on a eu, la seule école des mines française, donc la seule école qui formait des ingénieurs des mines entre 1802 et 1815. Donc ça veut dire que Napoléon, il avait quand même ce souci de ne pas forcément plus centraliser à Paris. Alors, ça paraît bizarre, on se dit l'école des mines, bon, on va la mettre à Paris. Donc lui, il a cette idée de dire, ben, la Savoie, il n'y a pas longtemps qu'elle est française, il faut qu'on lui montre que la France, elle peut être présente. Donc ça, c'est le côté plutôt positif. Après, bon, ben, quand on lit les lettres des grognards savoyards, alors, il y en a un qui a bien aimé, hein, qui, dont le souvenir n'est pas si loin d'ici, c'est le fameux Jean-Marie Merme, qui est enterré à Salins. Bon, lui, ça a été un fou absolu de Napoléon, mais après, il faut être honnête, hein, la plupart des grognards savoyards, ils ont grogné. Parce que, un, ils en avaient un peu marre, et dans les familles, les guerres continuelles, et les fils qui étaient obligés de partir à la guerre. Et puis bon, je sais bien que ça permettait de voir le pays, hein, mais ils n'ont pas forcément tous choisi d'aller se balader en Espagne, en Autriche, etc. Donc, il faut reconnaître, hein, on a le mythe de Jean-Marie Merme, on l'entretient, c'est très bien, mais Jean-Marie Merme, c'est un qui a aimé, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous aimé cette période. Bon, on finira là ce soir, mais je voulais quand même que vous regardiez, voyez, la carte. On n'a pas forcément l'idée, d'ailleurs je ne suis pas sûr que quand on était à l'école primaire, on a beaucoup insisté là-dessus. La France a eu 130 départements. Et vous voyez, tout ce qui est en couleur, c'est des départements français. Ça veut dire que le département français le plus au sud s'est appelé d'abord le département du Tibre et est devenu ensuite le département de Rome. Hein, n'oubliez pas, parce que le pape n'avait pas voulu s'allier dans le blocus que voulait faire Napoléon pour complètement étrangler la Grande-Bretagne. Le pape avait dit non. Bien, Napoléon a réglé le problème, il est allé chercher le pape, il l'a d'abord emprisonné, je ne sais plus où, puis après il l'a amené en France carrément, et puis en même temps, bah, c'était un coup de billard à deux bandes, hein, puisque le pape n'était plus à Rome, bah, ça veut dire que Rome devenait un département français. Et puis ça permettait, le petit qui venait de naître, on lui donne le titre de roi de Rome. Donc, ça veut dire que la France de Napoléon, la France des 130 départements, ça monte pas très loin du Danemark et ça descend à Rome. C'est, on peut dire, hein, c'est la seule fois dans l'histoire, parce que les empires précédents, la France n'existait pas. Charlemagne, on parlait de la Francia, mais ça n'a rien à voir. C'est la seule fois où la France a été aussi étendue. C'est quand même ça, Napoléon. Et tout ça, bah, ça va se casser la figure entre 1814 et 1815. Donc, ça veut dire.
c'est-à-dire que là, prochaine fois, on démarrera, c'est logique, avec le congrès de Vienne, et en gros, on va se mettre la prochaine fois, hein, je vais dire, ben, tiens, pour une fois, ça va aller vite, mais non, ça ira pas vite, on va aller de 1815 à 1860. Et on essaiera de voir comment le congrès de Vienne redessine la carte de l'Europe, avec des trous dans la raquette, et comment ces trous dans la raquette, c'est ce qui va faire qu'il va y avoir entre 48 et 60 un match très tendu entre l'Autriche et la future Italie. C'est ça qui va se jouer. Si on redevient français,